Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être très très simple. Comme vous pouvez voir mon visage, il faut que je me démaquille, on est en soirée. Je me suis dit que vous allez m'accompagner pour faire ma night routine. Là déjà je suis remplie de sueur transpirante, j'ai encore mes bijoux, j'ai encore habillé de la journée. Mes cheveux ça va, ils sont pas sales, je les ai lavés hier. Par contre je me suis frotté les yeux comme vous pouvez voir. On va se démaquiller. Je vais vous montrer tout ce que je fais avant d'aller me coucher. Et voilà. Déjà première chose, on va se démaquiller. Parce que là j'en peux pas non plus. J'avais vraiment vraiment envie de retirer tout ce maquillage. Ah, j'ai les yeux qui me démangent. Les poils de mes chats qui sont partout sur mon visage. C'est... Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça fait un petit moment que j'ai pas été, que je n'ai pas été courir. Il faut absolument que je me remette à ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment le temps, et surtout le temps en mode time, j'ai vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit. Je me réveille, je vais travailler, je vais me coucher, je retourne au travail. Enfin, vraiment il n'y a pas de pause dans tout ça. Donc voilà, il faut absolument que j'arrive à trouver du temps pour ça. En attendant, je promène mon chien le matin. Ça me fait ma petite marche. Pareil si j'ai le temps en vrai. Demain matin je vais le promener. Parce que j'aurai le temps, j'embauche à 10h. Donc j'irai sûrement vers 7h30, quelque chose comme ça. Mais ce matin j'embauche à 7h30, donc j'avais pas le temps du tout. J'ai retiré le plus gros. Là, on va aller prendre notre douche. Voilà, juste une douche très classique de corps, c'est-à-dire lavage de visage, lavage de corps, et c'est tout. Bah, on touche pas aux cheveux, ça sert à rien. Ils sont propres d'hier. Donc voilà, je vais par contre les mettre dans un petit... Je me laverai peut-être la frange demain matin. Bon, je pense que oui, en vrai. Je déteste les boucles d'oreilles avec ce genre de fermeture. Je disais, mais c'est horrible. Je me sens, mais... Horreur. En vrai... Aujourd'hui c'était une journée où genre, est-ce que j'ai fait quoi? Ce matin j'ai fait les paniers petit déjeuner, donc ce matin j'ai embauché à 7h30, donc j'étais réveillée à 5h30, et il a fait très lourd, donc en fait on a beaucoup beaucoup transpiré, et c'était une journée on va dire remplie je dirais pas d'émotions mais d'adrénaline, parce qu'en fait on a fait nos petites cabanes le matin et tout, et genre il était... Avant midi, on avait terminé les cabanes sur l'eau. Et en fait, notre bateau à moteur essence est tombé en panne. Donc, on a remis de l'essence dedans. On avait le bidon et tout dans le bateau. Sauf qu'en fait, il voulait pas redémarrer. Donc, en fait, on a dû appeler mon collègue qui était juste à côté. On a essayé de ramer jusqu'au bord pour qu'il puisse nous aider. Et qu'il puisse checker le bateau et tout. Sauf qu'en attendant que lui, il fasse ça, le problème, c'est qu'on a eu des clients qui étaient au fond du lac. Enfin, au fond de l'étang, là-bas au fond. Et qui en fait criait à l'aide littéralement. Sauf que moi en fait je pensais qu'il disait coucou, j'étais en mode coucou. Et après j'ai compris qu'ils appelaient au secours. Et en fait on a foncé en essayant de choper un autre bateau, parce qu'on n'arrivait pas à le démarrer, parce que c'est pas notre bateau habituel. Parce qu'en fait, cette personne en fait ils étaient deux, et en fait le monsieur en fait est tombé à l'eau. Donc en fait ça a été très galère, on a essayé de le remonter à la surface, bien sûr on a réussi, tout s'est bien passé. Sauf qu'en fait ça a été énormément d'adrénaline d'un coup. Et après en fait on est toutes redescendues en fait, et on est en mode genre je suis crevée, alors qu'on n'avait pas terminé ce qu'on devait terminer. Et après en fait il faisait hyper chaud, et genre entre midi et deux, donc pendant notre pause à 13h et tout, on était dans l'eau à la piscine, sauf que je n'avais pas de bas de maillot de bain, donc j'ai littéralement mis mon couvre-truc et je suis restée en culotte et j'ai mis mon haut de maillot de bain. Je me suis baignée et tout, après j'étais prendre ma douche, mais genre juste en fait je suis dégoulinante, je suis transpirante, genre... Je devais déboucher à 17h, je débouchais, hein, mais je suis restée sur les lieux et tout avec mes collègues pour rester avec elle et tout. Mais comment vous dire que je colle, je transpire. Donc là, on va aller prendre notre petite douche et on va être bien. En vrai, là ce soir, j'ai fait des cookies. Je sais pas pourquoi, littéralement je sais pas pourquoi, j'avais pas envie de cookies, mais j'ai fait des cookies. Parce que en fait, j'ai raté la recette, en fait j'ai tout bien suivi la recette. Parce que je sais pas pourquoi j'ai mis 2 œufs au lieu de 1. Ce qui fait que pour moi, en fait, les cookies avaient le goût d'œuf. Et en même temps, ils étaient hyper sucrés. Et genre, juste gras. Et genre, lourd. En fait. Et j'en ai mangé 2 ou 3. Mais c'était énorme.
Genre, t'es mal à la taille du cookie. Genre, c'était énorme. Et genre, là, vraiment, genre, je me sens toute. Vous savez, quand vous bouffez quelque chose, genre, de lourd, et de sucré, de gras, et que vous vous sentez, genre, avec zéro énergie. C'est comme ça que je ressens. Donc, peut-être que la douche me fera du bien. Donc, j'allais prendre ma douche. Je vais vous charger en attendant. Et voilà. En vrai, niveau produit dans ma douche, je vais pas utiliser différemment. Si vous voulez savoir, le nettoyant que j'utilise pour mon visage, dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé. C'était le CeraVe anti-imperfection. Après, pour le gel douche, je crois que c'est un petit Marseillais ou un petit Olivier au lait d'avoine. Je crois que c'est petit Olivier au lait d'avoine que j'ai. Et après, bah, j'ai le douche Intima, etc. Je vais hydrater aussi ma peau. Je vous montrerai peut-être l'hydratant que j'utilise. Bon, c'est un hydratant classique. Mais comme je bronze, vu que je suis tout le temps au soleil, ma peau peut très, mon bronzage peut très, mon bronzage peut très vite devenir dégueulasse. Et genre, en mode, on dirait que je suis dégueulasse, genre crade. Tout simplement parce que ma peau n'est pas hydratée. Donc, hydratez votre peau. Et voilà. Je vais faire ça. Et après, on va revenir là. On va faire notre skincare. Non, un petit masque. Et puis voilà. Et on parlera peut-être de la série que je regarde en ce moment. Entretien avec un vampire que j'adore. Voilà. Donc, je reviens et je vous abandonne pas. Mon téléphone est en train de charger parce que j'avais plus de batterie. 17%, ça va pas m'aider. Mais au moins, je pourrais écouter ma musique dans la. Dans la. Voilà quoi. Je crève de chaud, je crève de chaud. Bon, je voulais pas mouiller mes cheveux, ils sont un peu mouillés, c'est pas grave, on fera le prochain demain matin. En masque, je me suis rappelé que j'avais reçu ce masque-là de la marque Belif. Il me l'avait envoyé pour que je l'essaye et que je fasse une vidéo dessus. J'avais adoré ce produit. Donc, bah écoutez, on va le réessayer aujourd'hui. C'est pas sponsorisé, ok. Il me l'a envoyé, ok, gratuitement. Mais c'était pas sponsorisé. Voilà, juste pour vous dire, je ne suis pas payée, ça fait très longtemps que. C'est fini ça. Donc, on va utiliser un petit truc comme ça. Je sais pas si ça loge. Oui, ça loge. Et je vais pas en utiliser beaucoup. Alors, par contre, ça, c'est un masque normalement qu'on doit laisser poser. Sauf que, bah, pas très envie en fait. Donc, je vais le laisser poser, mais je vais pas dormir avec. Voilà. En vrai, je sais pas trop de quoi. Il faudrait que je prenne mon micro, mais dans mon sac à main en bas. Un peu la flemme en vrai. Ce soir, je vais regarder, je pense. J'hésite entre deux choses. Soit j'ai envie de me refaire Red, White and Royal Blue. Soit je me refais le livre. Soit je me re-refais le film. J'ai déjà re-regardé il y a quelques jours. Donc je me dis autant peut-être le refaire. Soit je me regarde la saison 2 de Entretien avec un vampire. Donc je sais pas, sachant que si je regarde la saison 2 de Entretien un vampire, moi je sais pas vous, mais moi je peux littéralement pas m'arrêter un épisode, il faut que je regarde toute la série. Donc en fait, voilà, demain même si j'embauche à 10h, il faut que je sois réveillée à 7h30 pour pouvoir emmener mon fils se promener. Donc je peux pas me permettre de me coucher tard. Donc je pense que je vais me faire, déjà je vais monter cette vidéo et je vais me regarder My Dear Fucking Prince. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre du masque. Au niveau du cou, on va laisser poser. En vrai, je sais pas de quoi parler. D'habitude, j'ai plein de trucs à dire, mais là, j'ai vraiment rien à dire. En même temps, je suis tellement crevée que genre, je peux jurer que ça. Voilà. Si, on va parler un petit peu de. En ce moment, je suis à fond des Entretiens avec un vampire. J'ai pas encore vu la saison 2, mais j'adore me faire spoiler, apparemment. Ensuite, je suis très très fan de Dead Boy Detective. Je prie. La série soit renouvelée pour une deuxième saison. Très très fan de Heartstopper. J'ai tous les livres. Tous les livres sont là. Donc ça pareil, j'attends la saison 3 qui va sortir en automne. Ensuite, en ce moment, 911. J'ai pas regardé les derniers épisodes qui sont sortis, mais j'aime beaucoup beaucoup cette série. Pour l'instant, je dirais que c'est pas mal. Donc voilà. J'adore la série, j'adore la série, j'adore la série. On va rincer tout ça.
Donc là, pour ma skincare du soir, je vous montre ce que je fais. C'est vraiment très très simple. Déjà, je vais utiliser acide hyaluronique 2% et B5. J'utilise partout. Ensuite, je vais revenir. Ça fait longtemps que je n'avais pas réutilisé ma crème pour les yeux de chez Sephora. Vraiment, j'adore cette crème pour les yeux. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée, mais je me dis, ça fait aussi. Nouvelle petite intégration que j'ai pour ma skincare, c'est que je me suis acheté des produits, donc je sais plus si vous avez vu dans mon haul normal, je sais même pas si j'avais fait un haul normal, je vous avais montré dans ma dernière vidéo en plus je crois, mais j'ai acheté des masques et des gommages de chez W7, et en fait j'ai pris ce gommage là, ouais c'est un scrub blueberry, je l'aime beaucoup, je l'utilisais ce matin, il était vraiment top. Pour éviter d'avoir les lèvres trop ridées et trop marquées, faut faire des gommages et bien hydrater surtout en fait. En ce moment vu qu'il fait beau, j'aime bien y aller me baigner, soit après le travail, soit pendant ma pause. Et en fait, à chaque fois je suis en galère. À chaque fois mon maillot de bain c'est pas le bon. À chaque fois si j'ai une douche et j'ai pas gel douche, à chaque fois il manque des trucs. Et là en fait il faut que je me fasse un sac exprès pour ça. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais il faut que je le prépare à fond. Ça m'énerve en fait de me manquer plein de trucs. Genre ce matin, j'avais pas mon bas de maillot de bain. Ce qui est débile, mais bon. Bah, le masque pour mes lèvres. C'est un dupe, hein, littéralement, de celui de la neige. Parce que vous voyez, la neige, j'en ai plus beaucoup. Donc j'ai pris celui-là. Goût fraise. Je vais venir utiliser ce produit-là. Donc c'est une crème hydratante. Je sais pas si je la conseillerais vraiment en vrai. Genre je vois pas trop de changements avec, donc et bah c'est tout. Je mettrai de la crème sur demain matin, il n'y a pas besoin d'en mettre la nuit, ça va boucher mes pores. Par contre, ce que j'aime bien faire, j'aime bien utiliser ça le matin. Alors je le mets au congélateur la nuit. Et ce qui fait qu'il devient très très froid. Là, il est pas au congélateur, donc je vais juste l'appliquer comme ça. Et je vous assure qu'il est vraiment, c'est vraiment top. Quand vous le mettez au congélateur. Et c'est tout ce que je fais pour ma skincare du soir en vrai. J'ai vraiment réduit mes produits. Pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose. Ma peau a assez de vitamine D et C avec le soleil. J'essaye de boire le plus possible. Voilà. Sinon, moi, je vais vous dire au revoir. Passez un bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était vraiment catastrophique. Mais en tout cas, merci beaucoup en tout cas de continuer à me regarder et tout ça. Je m'arrêterai jamais de vous remercier en vrai. Et donc moi, je vous dis à mercredi. Bye bye.